Donc, on sait qu'on a eu une hausse du rôle d'évaluation de 22,8 %. Donc, ça a remonté de 121 millions. En 2019, c'était de 531,043 $ par rapport à 2020, où est-ce qu'il était, le rôle était 652,058 $. Donc, malgré ça, on a une baisse moyenne des taux du 100 $ d'évaluation de 3,09 %. Malgré le nouveau rôle, 6,7 % des contribuables devraient avoir une baisse de taxes. Pour 50 % des contribuables, les hausses seront de 100 $ et moins. Lorsque l'on calcule une hausse de 150 $ et moins, le nombre de contribuables touchés passe à 68 %. Lorsque les hausses les plus marquées sont la plupart du temps dues à des terrains qui étaient sous-évalués. Depuis la baisse du taux de 22,5 sous du 100 $ d'évaluation en 2014, qui était passé de 82,5 sous du 100 $ à 60 sous, le taux n'a pratiquement pas bougé. Là, on a fait des investissements, on prévoit des investissements importants en informatique, dont le compte de taxes et inscription de loisirs en ligne, remplacement de postes et logiciels. On a aussi une hausse de 115 763 $ de la quote-part de la MRC, aussi avec le service incendie. Donc, on sait que la quote-part est directement reliée au rôle d'évaluation, puisqu'on paye selon la valeur de la municipalité. Hausse de la facture de la Sûreté du Québec de 13 731 $, qui passe de 685 000 à 698 000 $ pour la Sûreté du Québec. On a aussi une hausse marquée du budget liée à la réfection des rues et leur lignage. Donc, on prévoit faire les lignes plus souvent parce qu'on s'aperçoit qu'on les faisait aux 2 ans, puis c'est pas assez. Donc, tout ça par rapport à la réfection des rues, on prévoit un budget de 245 000 $. Et concernant l'entretien et la mise à niveau de production d'eau potable et assainissement, bien, effectivement, on a des travaux à faire là-dessus pour se mettre à jour. L'achat prévu d'équipements de machinerie et d'outillage entre 50 000 et 55 000 sont prévus aussi pour 2020. Puis on a aussi la poursuite des travaux d'entretien sur nos bâtiments et les plateaux sportifs. Par exemple, le terrain de soccer, qu'on a fait des petits travaux en 2019, mais il va falloir faire de quoi de plus sérieux pour 2020. Ensuite de ça, on a l'investissement d'un panneau numérique. L'ancien a été emporté par le vent, je veux dire, à l'Halloween, là. On sait qu'on a eu des gros vents à la période de l'Halloween. Donc, tout ceci, ça permet à notre municipalité d'avoir un taux de taxes très bas au niveau de notre MRC et de maintenir une excellente santé financière. Donc, c'est un peu l'objectif qui a été visé par le budget pour impacter le moins possible les citoyens. Mais on sait quand on a un nouveau rôle d'évaluation, effectivement, ça a toujours des conséquences à plusieurs niveaux.